Bien-aimés, nous saluer autant le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous comptons une autre fois encore pour nous et capables là avec vous. Et venir parler de un thème, un sujet qui gagne une importance et capitale aujourd'hui. Donc peut-être qui pas en vogue dans les années passées. Mais je dis qu'il y a en vogue, et si je t'apprends en Haïti, et je dis qu'il n'y a presque pas tant de pasteurs, non pas tant de pasteurs, pas tant d'évangélistes, donc non seulement tant d'apôtres, apôtres, 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 tout côté au passé c'est apôtres, 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 apôtres. Donc peut-être moi-même, je me pose peut-être ma question, je me dis, pour qui ça, tout le monde, je dis c'est apôtre? Pour qui raison? Vous parlez avec moi et. Et qui sa Bible a dit par rapport avec ton apostolat, qui est et même Jean lui dit l'église fondée sur, alors, les fondée et sous les fondements des apôtres. Ok? Sous les fondements des apôtres, et que l'église lui pral fondée, donc nous est enseignement les apôtres. Et que ça y est apostolique, biblique, évangélique. Donc, c'est que bien aimé, on nous rentre d'abord pour nous voir et définition le mot apôtre et selon la Bible, qui ça apôtre lui-même, qui rôle un apôtre, qui ça le représentait. Donc, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, nous voyons que la Bible lui enseignait. Il montre donc que il dit Dieu a appelé, le Seigneur a appelé les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Pourquoi? Pour l'édification de l'Église, du corps de Christ. Donc, c'est que bien aimé, nous voyons, même Jean te dit, et qui devait souligner ça? Et je dis à nous, alors dans le temps, c'était tout le monde pasteur, pasteur, pasteur. Et moi, je voulais souligner ça. Aller dans un séminaire, à l'apprendre dans un séminaire théologie, et faire 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, licence, doctorat, maîtrise, il n'y a pas un sujet pour venir pasteur pour ça. Yon pasteur, c'est yon appel. Et ça veut dire, il a appelé les uns comme apôtres. Il a appelé. Mais donc, on avance bien aimé. Et si la Bible a dit, il a appelé les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteur, comme docteur, et est-ce que moi qui a placé tel moi pasteur, est-ce que moi qui a placé tel moi apôtre, est-ce que moi qui a placé tel moi évangéliste, moi qui a placé tel moi docteur? Et donc, on va aller d'abord. Le mot apôtre, il traduit comme étant envoyé. Envoyé, le mot apôtre, ou bien messager. Messager, envoyé, messager, ou soit dit envoyé, messager, représentant de Dieu, représentant de Dieu, ça c'est le mot apôtre. Le mot apôtre, c'est messager. Et envoyé représentant de Dieu, représentant de Dieu. Et c'est le mot apôtre. Et Noël, le mot apôtre qui était appliqué avec les 12 disciples de Jésus. Les 12 disciples de Jésus. Donc, lorsque nous parlons de 12 disciples de Jésus, et c'est que qui était accompagné Jésus dans le ministère, donc pour capable permettre
et Jodia après la mort de Jésus et que les apôtres y ont continué même travail ça. Et lorsque nous avons été mentionnés avec les 12 disciples de Jésus, les 12 apôtres, et après nous prenons venir joindre l'apôtre Paul qui pral vini après, et malgré appel apôtre Paul souli depuis dans Galates chapitre chapitre 1er le verset 15 si pas trop chapitre 2 le verset 15 et on finit par voir que apôtre Paul lit et recevoir appel lit depuis l'enfant et nous avons tout bien aimé comprendre ça. Appel l'apôtre Paul, il va recevoir dans acte, chapitre 9. Et dans acte d'aujourd'hui, quel que soit mon bon Dieu relé dans le ministère, ou qu'a dormi au lever, ou qu'a fait un songe. Bon Dieu, pas jamais relé au monde dans le ministère pour ne pas confirmer avec l'autre monde. Et moi dis, et ou même qui peut-être pas comprendre, ou qui a posé une question. J'ai un téléphone moi, qui est en bas vidéo, relève, pose une question. Et sous écrit sur WhatsApp là mieux, parce que appel là, des fois, pas qu'à faire tout le monde, pas qu'à répondre tout appel, ou pas qu'à des fois, ou que n'a pas qu'à temps pour t'apprendre un appel. Et pas parce que nous pas disponible pour nous rappeler même gens qu'on fait déjà. On a des bien-aimés qui relèvent, des bien-aimés pour bien-aimés par jour. Message, même lorsque je prends du temps pour me faire réponse des fois, parce que je fais réponse à mettre reprise, si on bien-aimé, tu as que après je fais une étude, fais une formation, et puis ou écrit, ou pourquoi je fais réponse, c'est pas parce que je n'ai pas décidé de faire réponse, c'est question de temps qui permet ça. Et moi, tout dit, pour chaque bien-aimé qui écrit moi, mon grand bien-aimé qui m'a demandé le numéro de téléphone moi et voyez le bali. Donc le bien-aimé qui m'a demandé pour qu'il ne pas mettre le téléphone moi en bas vidéo. Moi mettez en bas vidéo, email moi ou capable d'écrire. Moi capable de faire une réponse. Bien-aimé, quel que soit le monde qui recevra appel de Dieu dans le ministère, moi redis encore, le Seigneur lit a confirmé appel là. Par Yolon bien-aimé. Non seulement par Yolon bien-aimé, la confirmé par Yolon, par deux bien-aimés. Si ou dans le ministère, ou dit ou recevoir appel de Dieu, soit pour prophète, soit pour docteur, soit pour pasteur, soit pour évangéliste, disons soit pour apôtre, même j'en ai dit, le Seigneur lui a confirmé par Yolon bien-aimé, par des bien-aimés. Mais en outre, c'est que bien aimé, lorsque nous voyons le mot apôtre et qui attribue avec Paul, Paul va recevoir confirmation dans Acte chapitre 9 pour être capable d'aller prêcher l'évangile. Et lorsque nous constatons dans la Bible, il y a deux catégories d'apôtres. Gesayori les apôtres particuliers. Gesayori les apôtres général, apôtre particulier, Gesayori les apôtres général. Lorsque nous lisons Actes des apôtres chapitre 14, le verset 4, nous prenons Gesayori les apôtres particuliers. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 5, nous prenons Gesayori les apôtres particulier. Ça veut dire apôtre en particulier. Apôtre en particulier, alors ce sont des apôtres qui t'ont accompagné Jésus-Christ, qui t'ont recevoir un appel par Jésus-Christ pour marcher ou bien pour accompagner dans le ministère. Si je t'apprends en d'autres termes, les 12 apôtres, ce sont les apôtres et particuliers. Et si je t'apprends apôtre Paul, qui pral vin rentrer.
rentrer dans le groupe apôtre particulier, apôtre Paul, comme dernier apôtre que la Bible lui-même lui parle et que lui mentionne. Apôtre Paul, selon Actes des Apôtres, chapitre 9. On voit que lorsque les gagnants lui recevoir mission pour lui aller persécuter les chrétiens de Damas, et puis il prend la rencontre avec le Seigneur lorsqu'il prend la Rome, il prend le persécuter les chrétiens, et puis il rencontre avec le Seigneur sur la route de Damas, et puis il prend frapper, apporté pour être à l'aveugle, et puis même moment, l'Esprit de Dieu prend le conduire côté Ananias pour capable aller passer combien de jours à jeûner pour la prier avec lui, pour imposer les mains pour le capable aller ou bien rentrer dans le ministère apostolat. Ça me l'a dit par là. Si je dis, nous dit ces apôtres, ont besoin de recevoir, mais en sérieux sous tête et possession des mains. On nous continue bien. Nous est que apôtre particulier, nous est apôtre Paul, Jean, Pierre, Barthélemy, si je t'apprends Judas, Judas fait partie de 12 apôtres, et si je t'apprends 12 apôtres, ils ont accompagné Jésus, 12 apôtres, ils ont accompagné de Jésus. Donc c'est apôtre particulier qui était accompagné Jésus, qui était dans le ministère de terrestre de Jésus et qui présent dans la crucifixion de Jésus et qui participait dans la résurrection de Jésus-Christ. Et ça c'est apôtre particulier. Lorsque l'on prend apôtre général et non l'inan 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 23, nous lisons dans Romains chapitre 16, le verset 7. Romains chapitre 16, le verset 7. Mais ça, il dit dans Romains chapitre 16, le verset 7. Il dit, saluez Andronicus et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Ça c'est apôtre Paul qui a voué salutation pour Andronicus, pour Junia. Qui ça bien aimé me l'a dit par là? Quand je gagne, il a mentionné et que Andronicus et Junia et Barnabas, c'est apôtre, c'est notamment Barnabas et c'est apôtre. C'est notamment Barnabas, oui, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le Seigneur, l'Esprit de Dieu dit, mettez Paul à part et Barnabas pour service moi. Lorsque Paul va gagner pour y aller dans la première tournée missionnaire, dans le premier voyage missionnaire, Noé Paul, Barnabas, donc l'Esprit de Dieu dit, mettez à part. C'est que Noé Barnabas, Noé Junia, Noé Andronicus, qui est considéré comme apôtre, mais cependant qui considère comme apôtre général. Pour qui ça lui dit apôtre général? C'est parce que, non, mettant tous apôtres, si nous t'apprends apôtre Pierre, apôtre Paul, n'a fini par voir que, et Barnabas, Junia, Andronicus, et si nous t'apprends Jean-Marc, ils ont accompagné Paul dans le ministère. Ils ont accompagné Paul dans le ministère. Donc, puisque, pour même la continue, en mettant du riz, du roche ou des graisses, et qu'ils ont fini par classer ces bien-aimés-là comme étant des apôtres, mais aussi, mais ce sont des apôtres généraux. Vous le comprenez? Ce sont des apôtres généraux. D'accord? Apôtres généraux.
Mais les douze, ce sont des apôtres particuliers. Bien-aimés frères et sœurs, et on nous voit d'abord qualification, yon apôtre. Qualification, yon apôtre. Et lorsque nous voyons yon premier, alors, première qualification, yon apôtre, c'est yon monde qui commissionné directement par Dieu. Qui commissionné directement par Dieu. Ça me le dit pas là, commissionné directement par Dieu. Qui recevoir yon mission, yon appel de la part de Dieu. Lorsqu'on lit selon Marc chapitre 3, le verset 14, Luc 6, verset 13, Galates 1er, le verset 1er, qui est commissionné par Dieu, qui recevait une mission de la part de Dieu. Et que bon Dieu voyait, bon Dieu dit mes missions qu'il m'a eu. Et il y a une bagaille que m'a dit dans le domaine apôtre, chaque apôtre n'a pas gagné même appel et n'a pas gagné même mission. Lorsque moi dis même mission, mission yo, yo pas référé yo à même groupe de monde. Mais tout le monde comprend ça me dit là. Chaque gagné, ça arrive. Par exemple, si d'après apôtre Pierre qui recevait yo mission pour prêcher pour les Juifs. Pour les Juifs, apôtre Paul recevoir une mission pour prêcher pour les gentils ou bien les nations. Ça c'est mission apôtre Paul. Ça le dit chaque apôtre gagne un mot. Bon Dieu dit yo en dans appel yo qui ça yo les spécification. Ça le dit un mot qui spécifié mais qui type d'appel que gagne. OK, appel pour apôtre, mais c'est pas dans mes lignes messages. Mais ligne appel. Apôtre Paul pour les païens, Pierre pour les juifs. C'est que lorsque nous qui recevons un appel de la part de Dieu, qui commissionné pour aller prêcher un message bien déterminé. Et lorsqu'on reçoit un appel pour apôtre, et en tant que prédication, chaque prédication yo gagne un point qui est différent. Pour qui raison? C'est pas même et mot que nous recevons de la part de Dieu. D'accord, bien aimé? Ça, c'est l'apôtre. Deuxième apôtre, il dit que témoin de la vie de Jésus-Christ et principalement de sa résurrection. Témoin de la vie de Jésus et principalement de sa résurrection. Selon Actes 1er, le verset 21 à 22. 21-22. On nous lit avec moi. Moi, je voulais lire passage ça. Dans Actes 1er, le verset 21-22. Actes, chapitre 1er, le verset 21-22. Il est dit dans le livre des Psaumes. Alors, verset 21, verset 21, 22. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Verset 22. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Dans l'air de l'encore, il
Il dit que il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Témoin de sa résurrection. Ça veut dire qui ça, bien-aimé? Pour yon te choisi, alors après la mort de Judas, et yon besoin yon monde pour yon remplacer, puisque Fok l'était 12, yon besoin yon remplacer yon. Monsieur yon, Chita, y allait dans la prière, et puis yon dit que nous prenons choisi yon pour capable faire parmi de 12 pour remplacer Judas. Yo vin avec Joseph. Yo vin avec Joseph et pour yo porter by Jésus avec Matthias. Et lorsque et monsieur yo vini, monsieur yo bay qualification pour que yo choisi yo moun. Mes qualifications yo bay. Fok yon nan moun sa yo ki pou remplacer ya, fok li te présent vif ministère de Jésus et principalement participer nan baptême de Jésus et dans la résurrection de Jésus. C'est pas bon de dire. C'est la Bible. Dans la résurrection de Jésus. Puisque la Bible a dit participer dans la résurrection de Jésus, c'est que ça c'est le deuxième élément pour le monde vin apôtre. Deuxième élément pour le monde vin apôtre. On nous lit encore dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1er. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? Tout bon Noël. N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? Est-ce que pas toi, Jésus-Christ? Ça, c'est le deuxième passage biblique. On en lit avec moi encore. Jean 15, le verset 27. Jean 15, le verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Il dit que nous-mêmes disciples là, nous ferons témoignage parce que nous vous êtes avec moi dès le commencement. Nous avons dès le commencement les 12 apôtres, les apôtres. En noir. Pas oublier, moi dit, faut qu'on en reçoive une commission de la part de Dieu. Deuxièmement, faut qu'il soit présent avec Jésus-Christ, vive ministère de Jésus, participer dans le baptême de Jésus et principalement la résurrection de Jésus. Troisièmement, doit être conscient de son inspiration par le Saint-Esprit. Il doit être conscient que le Seigneur, non seulement les relève, mais bon Dieu, l'Esprit de Dieu, inspire, accompagne dans le ministère, dans l'enseignement, soit écrit ou bien oral, soit lorsqu'elle a écrit, lorsqu'elle a enseigné, ou bien lorsqu'elle a écrit ou bien prêché.
selon Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 28, et Corinthiens 2, le verset 13. Bible à Dieu qui accompagne les apôtres dans l'enseignement, dans la prédication, c'est que pour apôtre, les apôtres ont besoin conscient de l'inspiration par rapport avec message que bon Dieu Baou qui inspiré par le Saint-Esprit. Quatrième, au besoin que ça ait la puissance pour capable faire ça opérer des miracles. Qui ça? La puissance du Saint-Esprit besoin accompagné ou puisque Bible l'a dit, moi a confirmé message moi yo, prédication yo par des signes et des prodiges. Yon apôtre li besoin qu'a accompagné par des signes et des prodiges. Il dit que faut qu'un miracle qui accompagne la prédication ou bien l'enseignement que l'a fait. Dans l'enseignement que l'a fait, miracle, besoin accompagner, même j'en ai accompagné les apôtres dans le temps. Souligne dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 12, dans Hébreux 2, le verset 4. L'autre élément encore, pour le monde apôtre, lui doit richement béni. Richement béni, richement béni dans son œuvre, comme signe que Dieu approuve leur travail. C'est pour mon Dieu approuver le travail. Ou pas besoin de dire au monde, ou qu'il appelle, mais le Seigneur approuve nos paroles, nos ministères, l'approuve ça. Par des signes et des prodiges. Quel que soit pour arriver, la prouver par des signes et des prodiges. Mais bon, plusieurs raisons. Qualification, yon apôtre. Jodia, Haïti, tout côté où passé dans Haïti, c'est apôtre, apôtre, apôtre. Et est-ce que ta doué gagne apôtre jodia? Bible a dit, faut te présent dans la résurrection, dans le baptême de Jésus. Tenez bien ça, m'a dit là. Et selon la Bible, selon j'en comprends la Bible, jodia, pas ta doué gagne tout apôtre sa yo. Pour qui raison? Apôtre là son appel. Bon, nous bagay. Comment faire? Ou recevoir appel pour pasteur. Bon Dieu, bon deux appels. Bon Dieu, bon trois appels. Ou dit que, puisque ou gen trois l'église, ou gen quatre l'église, ou gen cinq l'église, ou gen dix l'église. Tandis ça m'a dit là. Ou pas apôtre parce que ou établi plusieurs églises. Non. Ou pas apôtre parce qu'on établit plusieurs églises. Même si tu établis 100 églises. Ou a toujours été pasteur, ou a toujours été un frère, ou apôtre, ou établi l'église parce que ou apôtre. Vous avez entendu ça me dire? Ou pas apôtre parce que ou établi l'église, mais ou établi l'église parce que ou apôtre. Établi 10 l'église, 15 l'église, ça n'a pas fait de ou un apôtre. Ou a travaillé dans le ministère. Bon Dieu servit avec vous, mais ça n'a pas fait de vous un apôtre. Yon moun qui ne doit pas établir yon seule l'église, l'apôtre. Pour qui raison? Parce que apôtre là son appel. Automatiquement, le recevoir appel comme apôtre, la possibilité pour établir l'église. Ou l'apôtre, c'est établir l'église. Mais ce n'est pas parce que l'établir l'église qui fait l'apôtre. Me redis encore. Apôtre son appel.
lorsqu'on finit de recevoir l'appel là, ou vin apôtre. Lorsqu'on finit apôtre ou établit l'église. Apôtre Paul recevoir appel, après ça, il établit l'église. Mais il n'a pas établi l'église, après ça, il vient apôtre. D'abord, tout le monde comprend. Si on dit comme ça, ou établit l'église, ou établit 10, 15, 20, 30, après ça, on vient apôtre. Non. C'est lorsqu'on finit apôtre, ou établit l'église. Ce n'est pas établi 10, 15, 30, 50 l'église qui voulait dire apôtre pour ça. Apôtre son appel, il n'est pas choisi ou choisi. Comment comprendre au fin de pasteur? Après ça, ou passer apôtre. Quand on va le passer, on va connaître Hachi apôtre. On va passer Hachi apôtre. On va connaître grade capoté. Moi-même, moi dit, ça relève orgueil. Ça relève orgueil. C'est ça qu'on va arrêter dans la logique pasteur. Et pas bon Dieu, il est là, pasteur. Bon Dieu, bon, il appelle pour ça. Bon Dieu, bon, appelle pour ça. Mais bon Dieu, bon, l'autre appel, après pasteur, apôtre, elle dit, apôtre. Nous vivons côté qu'on y a là, nous trouvons que pasteur est trop bas, pasteur est trop minime. Il faut un plus grade pour nous apôtre, pour nous casser nos dînes sous tête. C'est ça que l'évangile prend aujourd'hui comme ça. Nous prenons être misérables, nous légères. Nous prenons l'église, l'orive dans l'église, nous sommes cimetières entrées. Au lieu pour nous chercher l'intimité avec mon Dieu, mais nous cherchons grade. T'as cherché grade. Et ça, tenez bien, bien aimé, tenez bien. Et lorsque, ou apôtre, ou il se voit appel comme pasteur, après ça, Jésus qui choisit monter au grado, il met toi apôtre pour capio. Pour capio. Il choisit monter au grado ou une bio. C'est pas vrai? Ou une bio. Comment faut venir apôtre? Après ça, ou bon l'église ou dirigé, ou il tape dans l'église. Apôtre, pas jamais tape dans l'église. Après ça, monde qui a une question, posez une question. Je suis prêt pour me répondre à une question, bien aimé. Si tu as une question pour poser, je vais t'écrire, poser une question. Et comment faire pour que l'église soit dirigée? Dis-moi, il y a un apôtre dans la Bible qui a gagné l'église listable. Apôtre Paul, que tout le monde connaît, il fait 2 ans dehors. 2 ans. 3 ans à Éphèse. 2 ans. Il fait 2 ans. Il fait 3 ans. Lorsque l'église a un problème, il a l'enseigné pour être capable d'établir au fondement la doctrine de l'église. Là, pour la doctrine des ministères, il fait 2 ans, il fait 3 ans. Après ça, ça se passe. Il y a les passés, il n'y a pas pour le chita, il n'y a pas pour le rété. Mais vous-même, vous avez fait. Vous avez dirigé l'église, vous avez dirigé le ministère. Vous faites tout de vous là-dedans. Mais si vous faites tout de vous là-dedans, comment faites-vous bon tirer l'eau pour apôtre? M'a dit toujours, en suspens, chercher grade. Non, en nous chercher dimension davantage, intimité davantage. Tendez bien ça, m'a dit là, avec tout bien aimé qu'a attendu. Jodi, pas de raison là, pas de pasteur encore. Tout le monde dit apôtre, 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 apôtre. Mon envie est jodi, apôtre, demain c'est apôtre, après demain apôtre, après demain apôtre, après demain apôtre. Pour le pas gagner sous tête et pour le cas toujours gagner ses lits toujours sous tête pour la conduire, pour le toujours chef, pour le toujours abdominer. Et peut-être ça raison à pour la venir. Pour celui qui a coupé, raché, fait tout bagaille, c'est pour ça le venir. Tandis que, Bible a dit, faut que tu es présent dans la résurrection. Ou fait miracle. Comment bon Dieu peut servir avec vous? Qui appelle mon Dieu? Quel type de message que mon Dieu m'a eu? Ou gon spécifique dans le message comme apôtre là. Paul est comme apôtre des nations. Pierre des juifs. Mais ou même. Ça bon Dieu dit on appelle là. Ça bon Dieu dit ou bien aimé. Donc c'est que lorsque nous voyons le mot et apôtre, mais qui ça me dit? Bon Dieu, qui a toujours la souveraineté de Dieu, il a toujours gagné un apôtre. Il a toujours gagné des apôtres. Jusqu'à présent, je dis. Parce que, bon Dieu, le grand monde, dans la souveraineté, il a toujours mis trois apôtres à Haïti. Il a toujours mis trois apôtres, quel que soit le pays. Bon Dieu, dans la souveraineté, il voulait le mettre. Mais cependant, c'est bon Dieu qui voulait le mettre. Mais, si c'est comme ça, je dis, tout le
qu'on est apôtre, lorsque ou sorti dans pasteur, ou sorti dans bas, ou monté dans pasteur, sorti dans pasteur, monté dans apôtre, non, non, moi dit non, moi dit ça chercher grade, ça c'est grade. Ça c'est chercher grade, ça c'est orgueil. Bien-aimés frères et sœurs, leader, Bible a dit clairement, faut te participer dans la résurrection. Bon Dieu qui a toujours voulu mettre toi à porte. Mais c'est pas dans dîme qui appelle, qui message très spécifique que mon Dieu m'a ou. On n'a pas couru, chercher grade, mais on a cherché intimité avec le Seigneur. Selon la Bible, on comprend clair. On comprend clair le mot apôtre. Le Seigneur qui a un plan pour le servir avec eux. Retenez dans l'humilité. Retenez dans l'humilité. On dit retenez dans l'humilité. Le Seigneur qui a servi avec eux. Retenez en bas. Retenez dans l'humilité. Donc le Seigneur a privé avec eux. Côté lui de arriver avec eux. Moi, il pour vous montrer où. À Pontes là, il faut qu'il participe à la résurrection de Jésus. Ça le dit bibliquement. Pas tatoué gagné. Tout à Pontes ça aujourd'hui. Là, sous base, sous motif que moi établi l'église. Non. Et pas motif là. Ça. À Pontes là, la certes. Pour lui implanter l'église. D'accord, pour lui implanter l'église. Mais cependant, c'est après le fin à Pontes qu'il implanter l'église. Mais ce n'est pas parce qu'il a implanté l'église, il y a apôtre. J'espère que le Seigneur va bénir. Le Seigneur va aider chacun de nous qui attend des vidéos ça, comprendre sa parole est dit pour avancement, travail. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que Dieu avec Jésus.